chez Rocard, et il me demande de lire un texte. Et il y a ce texte qui serait absolument formidable à dire, c'est sur l'autorité des puissants, et que les gens ne connaissent pas bien. Alors comme c'est une gamme avant le Philippe Muret, je vais essayer de vous le dire rapidement. D'abord, il faut imaginer un conflit. Non, les hommes politiques sont merveilleux, ils sont formidables, ils sont les princes. Alors, un homme vit une couleuvre. Oh, méchant, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper, à ces mots, le serpent se laissant attraper est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort. Qu'il fût coupable ou non, afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats, être bon ou méchant, c'est être sot. Meurs donc, ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put, s'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès, je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi. Ta justice et ton utilité, ton besoin, ton caprice, selon ce loi, selon ces lois, condamne-moi, mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant, au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin, il répartit, tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient, mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile, une vache était là. On l'appelle, elle vient. Le cas est proposé. C'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler. La couleuvre a raison, pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Et mes peines ont pour but son plaisir, ainsi que ses besoins. Enfin, me voilà vieille, il me laisse en un coin, sans herbe. S'il voulait au moins me laisser paître, mais je suis attaché. Et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude à Dieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit. Croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête, le bœuf vient à pas lents. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans pour nous seuls, il portait les poids les plus pesants, parcourant sans cesser ce long cercle de peine, qui, revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vend aux animaux, que cette suite de travaux, pour récompense, avait de tous, tant que nous sommes, force coup, peu de gré, puis quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang, l'indulgence des dieux, ainsi parla le bœuf. L'homme dit, mais faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire, au lieu d'arbitre, accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le froid, la pluie, la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an, libéral, il nous donne, ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne, l'ombre l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer, que ne les mondait-on sans prendre la cognée, de son tempérament, il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais que l'on l'eût convaincu, du sac et du serpent, il donna contre le mur si fort qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se sont mis en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens, et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sot, j'en conviens, mais que faut-il donc faire? Parler de loin, ou bien se taire.